Économie. Madame Fatma Marakchi Chafi, professeure en sciences économiques à l'Université de Tunis El Manar et à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. On en est où du déficit budgétaire en Tunisie ? En fait, je pense que l'histoire du déficit budgétaire est l'histoire récurrente que tout le monde veut discuter. Mais en fait, moi personnellement, je pense que ce n'est que le côté apparent de l'iceberg. C'est pas le gros problème en Tunisie. Ou bien c'est du moins le problème de court terme. C'est pas le problème de moyen et de long terme. Et je pense personnellement qu'il faut regarder plutôt du côté de la croissance. En fait, je souhaiterais juste expliquer en très peu de temps, comment est-ce que le déficit budgétaire, en fait, il émane du fait que l'économie tunisienne n'arrive pas à créer suffisamment de richesses. Et la création de richesses, on a besoin de ça. Bien sûr. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, l'économie tunisienne n'est pas très ouverte. C'est une économie qui est fermée parce que les secteurs sont fermés. Il y a des barrières à l'entrée pour ceux qui veulent opérer dans certains secteurs et dans la plupart des secteurs, d'ailleurs. Bureaucratique. C'est pas uniquement la bureaucratie, il y a même les gens qui opèrent dans les secteurs et qui empêchent d'autres d'entrer dans ce secteur-là. Ah, concurrence. À part la bureaucratie. Donc il n'y a pas assez de concurrence. Ah, c'est ça pas le assez. Problème. Il n'y a pas assez de concurrence. Mm-hmm. Et donc c'est quoi la résultante du fait qu'il n'y a pas assez de concurrence? C'est le fait que, comment fonctionnent les marchés? Les marchés fonctionnent avec des prix qui sont fixés par ces entrepreneurs-là qui Bien sont sûr. Sur le marché déjà. Pas forcément avec de la bonne qualité, puisqu'ils peuvent s'entendre entre eux au niveau de la qualité pour donner du n'importe quoi, excusez-moi le terme, pour le consommateur. L'essentiel, c'est plus de bénéfices. Voilà. Et ensuite, ce système qui en fait, n'encourage pas à la création de l'emploi, parce qu'il n'y a pas assez de concurrence, il n'y a pas d'accord. beaucoup d'agents sur le marché. Et ce système-là peut donner l'occasion à ces entrepreneurs de donner des salaires faibles pour les gens qui travaillent dans ces entreprises-là. Donc, il n'y a pas de consommation, donc il n'y a pas de croissance. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de consommation. En fait, les gens consomment ou local ou importé, et donc la concurrence va plutôt vers le marché donc étranger. Et c'est quoi, en fait, la réponse de l'État à tout cela, puisque les salaires sont faibles? Et attention, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 70, des années 80, exactement. Etc. C'est un choix de ce qu'on appelle le modèle de croissance, si on veut, ou le modèle de développement d'une manière plus globale. Où on doit aller chercher la croissance? En fait, juste pour revenir à votre question sur le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, justement, il émane de la réponse de l'État à ces problèmes que je viens de citer. Bien sûr. En fait, si vous avez des salaires faibles, donc on va subventionner les produits alimentaires, on va subventionner l'énergie, on va faire des transferts sociaux, on va faire facturer le prix, par exemple, du bus à un prix inférieur au coût de revient, etc. Et c'est qui paye la différence de tout ça? Comment c'est l'État. Financer ça? Oui. Voilà. Et donc, c'est l'État et c'est l'accumulation de toutes ces dépenses-là qui donne le déficit budgétaire aujourd'hui. Donc, l'essence, je crois que le problème originel, le péché originel, si on ose dire, c'est le fait de ne pas créer suffisamment de richesses. Et c'est ça le problème. Et donc, pour répondre à votre deuxième question, où peut-on chercher les financements? Où doit-on la croissance? Premièrement, les financements pour faire de la croissance. Bien sûr. Remarquez aujourd'hui, par exemple, qu'en Tunisie, par rapport aux autres pays qui nous ressemblent et aux autres pays qui sont voisins, même les pays sud de la Méditerranée, bien sûr. Suite à la Covid, nous, on n'a pas pu rebondir autant que les autres pays. Nous avons perdu beaucoup de croissance. Par exemple, en 2020, on a fait moins 8, quelque chose pour cent. Et ensuite, en 2021, on n'a récupéré que 30%. Le taux de rebond était de 30% uniquement. Si on se compare par rapport aux autres pays, on trouve que l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, etc., ils ont récupéré à raison de 70 à 80%. Ah, ne parlons d'accord. pas des États-Unis qui ont récupéré plus que 100%. Bien sûr. Et donc, pourquoi la Tunisie n'arrive à récupérer que 30% uniquement? Parce que justement, il n'y a pas d'investissement public. Ah. Et en fait, la production, on l'a fait comment? On l'a fait avec du capital physique, en fait, du capital humain et des machines, si on veut. C'est le béaba d'une sûr, fonction de bien croissance. Bien sûr. Et donc, si nous ne faisons pas de l'investissement, si on ne fait pas des investissements pour la STEC, pour la SONED, si on ne fait pas des routes, d'autoroutes, etc., et que si en plus nous avons des Tunisiens qui partent à l'étranger et le capital humain est en train de s'éroder, donc, où va-t-on chercher les sources de croissance? C'est ça le problème, en fait. Et donc, en plus du financement, il faut essayer de retenir, en fait, ces jeunes qui partent.
je ne sais pas si je peux le dire comme ça, on ne peut pas vraiment retenir. Voilà, exactement. Il faut les appâter avec des salaires conséquents, sinon ils ne restent pas. Ou bien il faut au moins leur donner les conditions nécessaires pour qu'ils puissent rester dans le pays, des bonnes conditions de travail, etc. Et donc c'est pour cela qu'ils partent. Et donc, où va-t-on chercher le financement et où va-t-on chercher de la croissance ? Le financement, d'abord, il faut arriver un peu à réallouer les ressources productives qui existent dans le budget de l'État. Cette histoire de réforme au niveau des subventions, cette histoire de réforme au niveau des entreprises publiques, etc., qui sont en train de bouffer le budget de l'État. Donc, il faut le réaménager autrement pour pouvoir avoir de l'argent pour faire de l'investissement public. Et l'investissement public, il va entraîner de l'investissement privé après, parce que si l'État n'investit pas, le privé n'investit pas. Les investisseurs directs étrangers ne viennent pas non plus. Et donc, comment va-t-on faire de la croissance s'il n'y a pas d'investissement ? Nous avons des... mais attention, tout n'est pas noir. Nous avons des secteurs qui sont des secteurs prometteurs. Et nous avons aussi un taux de sophistication de nos produits qui sont pas mal à l'étranger. Donc, le taux de sophistication des produits que nous exportons, il est bon. La qualité est bonne, mais à l'étranger aussi, nous avons un apport de la part des Tunisiens résidant à l'étranger. Exactement. Avec le transfert. Exactement. Ça, ça peut être aussi un élément positif pour l'économie tunisienne. Tout à fait. Sauf que si on fait une petite comparaison, on remarque par exemple dans les années, par exemple 2005, le milieu des années 2000, on remarque que notre balance commerciale qui est très déficitaire structurellement et on le connaît tous, en fait, elle est à raison de 93-94%, elle est financée par l'excédent des services qui est le tourisme. Et on sait ce qui s'est passé pour le tourisme dès lors, voilà. Avec ce qui s'est passé en 2015, 2016, etc. Et donc à partir de cette date-là, c'est les transferts des résidents étrangers qui remplace un peu donc, les saisons touristiques qui ont été ratées, si on veut. Donc ça, c'est une bonne source de financement. Et il y a même en littérature, on dit que l'altruisme, c'est un des déterminants des transferts des résidents étrangers. Et c'est tant mieux si ça continue sur cette lancée-là. Très bien. Et vraiment, c'est très intéressant de parler avec vous d'économie parce que c'est une science sûre, mais on finit par la musique. Vous avez choisi Lotfi Bouchnar. Ritak ma na'rafouil, mais moi je vous ai vu à Diwan FM. Merci.